Aîné mort. Il faut quand même... Tout de même. Déclarer sa naissance et déclarer sa mort. Et un médecin devra attester que la mort a précédé la naissance. Ainsi que cela commence. Si l'enfant naît vivant. Est né vivant. Si l'enfant est vivant. Il arrive parfois que cela arrive. Si l'enfant naît vivant. Sa naissance doit être déclarée à la mairie du lieu où la mère a accouché. La déclaration doit être faite dans les 3 jours suivant l'accouchement. Après, il serait trop tard. On obtiendrait l'inscription de l'acte de naissance qu'au prix de 1000 ennuis, de 1000 dépenses... Cela n'est pas négligeable. Et de peine encore, édictée par le code. Cette obligation... La déclaration à la mairie du lieu... Cette obligation appartient au père. Elle lui revient. Mais si le père ne peut se déplacer et qu'il n'est pas donné d'excuses, alors... S'il est malade ou absent... Envisageable. Ou mort. Possible. La déclaration doit être faite par le médecin ou la sage-femme, tous deux qui accouchèrent la mère, ou par toute autre personne ayant assisté à l'accouchement. Mais je ne sais pas, n'importe qui. S'il arrivait à quelqu'un de trouver un enfant nouveau-né comme ça... Je ne sais pas, n'importe où. Dans la rue. Saint-Vincent-de-Paul. Il devrait en faire immédiatement la déclaration que l'enfant soit né mort, vivant ou jumeau. À double titre, même histoire, pas d'autre méthode. Lors de la déclaration, présente l'enfant à la mairie afin que l'officier de l'état civil puisse constater le sexe, distinguer le garçon de la fille et inversement. Avec ça, on ne plaisante pas. Pour passer l'acte dans les conditions requises. Nationalité française, capacité de signer. Logique cela. Domiciliation dans l'arrondissement communal du lieu où l'acte s'établit. Pour passer l'acte, déclarer l'enfant, le concours de 2 témoins est indispensable. Toujours été et sera longtemps. On donne à son premier-né ordinairement pour parrain son grand-père paternel. Pour marraine, sa grand-mère maternelle. Le second enfant aura pour parrain son grand-père maternel. Oui, et pour marraine, sa grand-mère paternelle. Et ainsi de suite dans les 2 familles, par rang d'âge et d'alternance de sexe, s'il est possible. Ce n'est pas compliqué. Mais si on veut bien y réfléchir, et celui-là pour ça, coutume déplorable, ne saurait dire autrement et explique pourquoi. Parrain et marraine sont et furent toujours père et mère de remplacement, rien d'autre. Et s'ils sont âgés, comme il est à craindre pour des grands-parents, l'enfant risque assez vite de les perdre. Et perdre encore, et de fait, le soutien qu'on voulut lui accorder. Il est sage donc, il sera sage, objet de ma réflexion, de choisir parrain et marraine qui puissent servir l'enfant plus tard. Assurer ainsi, comme l'a dit le poète Victor Hugo, les relais de l'existence. Proposez donc parrain et marraine plus jeunes, pleins de vigueur et d'espérance. Doublez les cadeaux à venir par grands-parents laissés à l'abandon et évitez les deuils ennuyeux. Ainsi que cela continue. On peut aussi... Ce n'est pas une mauvaise idée, c'est un bon calcul. On peut aussi désirer... Souhaiter. On peut souhaiter assurer à ses enfants des appuis en dehors de la famille. Ou aide et protection lorsqu'on y réfléchit. On y réfléchit. Leur sont déjà tout naturellement accordés. Beaucoup de gens ont de la répugnance. Car répugnance, c'est rien d'autre. Beaucoup ont de la répugnance à assumer les charges matérielles et morales qui incombent aux parents. Et marraines. Et l'on devra sonder... On sondera. Les esprits à ce sujet avec beaucoup de diplomatie et de tact. Car il faut l'admettre, pour résumer ce chapitre, c'est une forme d'impôt forcé qu'on prélève ainsi. Qu'on prélèvera ainsi. Impôt et pas moins.
billeveuses et hypocrites calandredaines, que de prétendre l'inverse. Ainsi, il ne faut pas s'exposer à recevoir un refus mortifiant, toujours désagréable. Désagréable et mortifiant. Il faut encore moins risquer d'embarrasser des personnes trop polies ou trop délicates pour décliner le choix qu'on a fait d'elles. Mais trop indolentes ou trop pauvres pour supporter... Sans en être ennuyées. Les frais ou les devoirs imposés par le titre de parrain. Quelques personnes douées des biens de la fortune sont sans enfants. Elles semblent toutes désignées pour remplacer plus tard des parents défunts. C'est à celles-ci qu'il faut s'adresser. On voudra donc bien noter qu'il est bon de réfléchir en cette circonstance. En toutes circonstances d'ailleurs. On voudra bien noter qu'il est bon de réfléchir, mais de ne pas demander ce service à la légère. Là que je voulais en venir. Si de l'autre côté, vous êtes sollicité d'être parrain. Pour être parrain. Et dans le cas où vous souhaiteriez décliner cette offre, et les ennuis qui l'accompagnent s'y rapportent, hein, car ennuis... Et rien d'autre. Hein. Vous pouvez... Vous pourriez répondre, par exemple, c'est un moyen habile, qu'au moment de la cérémonie, vous devez... Vous devez accomplir un voyage. Et que votre absence se prolongera, à votre vif regret, trop vif regret. Vers l'accouchement de votre dame, je serai absent, pour un temps assez long. Comme cela... Que ça se passe. Les choses ayant été réglées et acceptées du côté de la marraine comme du côté du parrain, on les met en rapport s'ils ne se connaissent pas encore. Le père de l'enfant présente le parrain à la marraine 8 jours avant la cérémonie. Ils se rencontrent, ils se voient. Est-il besoin de dire que s'il faut des époux assortis, il est bon également que le parrain et la marraine aillent ensemble ? C'est-à-dire qu'ils aient les mêmes manières et la même éducation. Est-il besoin de dire ici comme ailleurs et en toutes circonstances ? Toujours ici comme ailleurs et de fait. En cette circonstance qu'il est bon d'être assorti et que, pour préciser ma pensée, le bon assortiment est un juste moyen, excellente méthode pour répondre avec efficacité aux difficultés inhérentes à l'existence. Dès qu'un homme, le parrain futur, est avisé du choix que des parents ont fait de lui pour porter leur enfant sur les fonts baptismaux, il leur adresse ses remerciements pour l'honneur qu'il lui accorde, ou il part inopinément en voyage, comme nous avons vu. La marraine choisie, quant à elle, remercie avec empressement ceux qui lui donnent un fils spirituel. Elle accueille gracieusement le parrain qu'on lui a donné. Si elle est jeune fille ou très jeune femme, il faut un tiers pendant la visite que lui fait le parrain. Et lorsqu'il vient la chercher... S'il vient la chercher. Dans le trajet qui sépare sa maison de celle des parents de l'enfant. Avec cela non plus, on ne saurait plaisanter. Le premier prénom est choisi... Par la marraine. Le second par le parrain. Le troisième n'est par la mère. Mais le parrain, quant à lui, laissera toujours le choix des prénoms à donner au père. À la mère. Et à la marraine. Les prénoms, je recommence, les prénoms sont donc choisis par le père. Par la mère. Et la marraine. Le premier par la marraine. Donc le second par le père. Le troisième par la mère. Par la mère. Ça n'est pas compliqué. Les prénoms ne doivent pas être choisis en dehors de ceux que la loi permet d'employer. Ce qui limite l'ampleur de l'embarras. Mais les personnes... Il en est. Dépourvues d'imagination n'ont qu'à consulter le calendrier et pallier ainsi habilement le vide qui les habite. Mais si vous voulez, parrain et marraine... Mais on veut bien se souvenir... que le parrain s'est déjà sournoisement déchargé
du choix du prénom sur la mère de l'enfant. Si vous voulez, parrain et marraine, pousser plus avant la complexité du choix et établir relation entre le prénom choisi et quelques notions d'ordre plus général, rappelez-vous que Georges, par exemple, signifie « travailleur de la terre ». Victor, vainqueur. Maximilien, le plus grand. Philippe, qui aime les chevaux. Bernard, chasseur d'ours. Louis, qui s'y connaît en homme. Maurice, le fils du mort. Gustave, sur qui Dieu s'appuie. Sophie, pleine de sages. Marguerite, le père. Lucie, la lumière. Et Thérèse, et j'arrête là. Thérèse, qui sait dompter les bêtes féroces. On voudra bien réfléchir qu'il est bon. En cette circonstance... En toute circonstance, l'est déjà dit. Il est bon d'être éclairé pour éviter de donner le nom de Maximilien à un enfant né de parents minuscules auquel il ressemblera. Ou le nom de Maurice, quand il est à craindre que la mère ait fréquenté à l'excès les dancings au professeur mulâtre. On rit. On plaisante et on sombre sans le savoir dans l'infamie. Ainsi que toujours cela continue. Si par contre vous avez le goût de la nouveauté, imaginons cela. Consultez l'almanach des noms de baptême, vous y trouverez des noms de saints et de saintes parfaitement authentiques. Qui feront honneur à votre compétence et éducation. Pour un garçon, quelques propositions amusantes. Théopompte. Prisque. Canu. Michel. Oh. Ostruclin. Coluberne. Métrophane. Euprépice. Curcodem, par exemple. Et pour une fille, Véréburge, Rictu, Graconie, Guélidoine, Milburge, Scribiole, Mirope, Burgondophore. Vous pouvez choisir dans cette liste de saints et de saintes. Elle est authentique. Et en désignant pour votre filleule un de ces noms-là, vous serez certain de faire plaisir à la famille et d'assurer son bonheur tout au long d'une plaisante scolarité et d'une hilarante période militaire. À moins que la santé de l'enfant ne donne des inquiétudes. Qu'il veuille mourir ou qu'il y soit prêt. On attend le rétablissement complet de la mère pour la cérémonie du baptême. Dans la matinée du jour du baptême... Ou la veille. Le matin du jour du baptême, le parrain envoie à la marraine des boîtes et sacs de drachée, un bouquet, un bibelot, où il remplace ce dernier par des gants, insérés dans un coffret. Le parrain doit encore un cadeau à son filleul. Il fait cadeau d'une pièce d'orfèvrerie. Ordinairement, il lui offre poêlon, assiette et cuillère à ses initiales. Initiales du filleul. En argent ou en vermeil. Ou tout autre objet, hein. Ou un hocher, ou tout autre chose, hein. Selon ses moyens. La marraine offre à son filleul, quelques jours avant la cérémonie, la robe et le bonnet qu'il portera le jour de son baptême. Si l'enfant est une fille, des colifichets, afin de l'encourager très tôt à la coquetterie, si nécessaire à l'agrément de la vie. Il ajoute, si elle veut, et si elle peut, un couvre-pied, le tout fait de ses mains, si elle est à droite. Pendant la cérémonie, le parrain et la marraine se placent le premier à droite, la seconde à gauche de la femme qui porte l'enfant. Ils répondent ensemble aux diverses questions qui leur sont adressées par le prêtre et récitent le credo et le pater en français.
lorsqu'ils sont invités à le faire. Pendant les exorcismes, ils étendent en même temps que le prêtre leur main droite nue sur la tête de l'enfant. Ils portent encore cette main sur l'enfant quand l'eau est versée et ne la retirent que lorsque les paroles sacramentelles ont été prononcées. Enfin, ils reçoivent de la main droite toujours un cierge allumé qu'ils voudront bien évidemment rendre après que le prêtre a béni l'enfant. Le parrain et la marraine peuvent se faire représenter au baptême. C'est beaucoup plus simple. Après avoir signé sur le registre des baptêmes, le parrain doit encore, et il en aura presque fini, déposer sur la table la somme d'argent destinée aux sonneurs et aux enfants de cœur. Cette somme est enveloppée dans un papier blanc. Et au retour de l'église, le parrain distribue encore, et là ça devrait être tout, des gratifications plus ou moins importantes aux serviteurs de la maison. Si serviteurs il y a, la sage-femme, la nourrice, etc. Je ne sais pas n'importe qui. On voit qu'il ne faut pas imposer ce titre de parrain. Nous l'avons sous-entendu plus haut, mais nous l'affirmons ici. Et pour les mêmes raisons, un homme dont la position est médiocre, il en est, ne s'offrira pas à tenir un enfant sur les fonds de baptême. Sa famille n'oserait peut-être pas refuser, tout en craignant de voir ses obligations de parrainage trop peu remplies à leur gré. Un baptême est toujours l'occasion d'une fête. À moins de circonstances exceptionnelles, c'est douloureuse. Mort de l'enfant. Possible. Mort de la mère. Envisageable. Superbe, modeste, que le parrain se rassure. Cette fête est toujours à la charge du père de l'enfant. Les domestiques mâles doivent revêtir la livrée de gala. Tous les assistants sont en grande parure. C'est un dîner qui, le plus souvent, réunit les invités. Le parrain et la marraine y sont traités en héros du jour, car ils le sont. Si l'on est riche, on n'oublie pas les pauvres et les déshérités en ce jour de bonheur. On donne aux enfants assistés des dragées et la desserte de la table. Si on est pauvre, on ne le fait pas. C'est comme ça, à cela, que cela se distingue. Ensuite, les années qui suivent, le parrain et la marraine sont tenus de s'intéresser à l'enfant qu'ils ont présenté au baptême. Au nouvel an, à sa première communion, à son mariage, à son premier succès, baccalauréat, thèse, épaulette, ils lui doivent un cadeau, selon leur fortune. À moins d'impossibilité, la mort. Toujours possible. Il le voit souvent, le conseille, le dirige, et le réprimande au besoin. Le filleul écrit ou rend en personne ses devoirs à ses parrains et marraines. Au jour de l'an, une fois, et cela suffit. En dehors de la famille étroite... Son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Oh! C'est à eux en premier qu'il annonce sa première communion et son mariage, en leur demandant d'y assister. Il leur apprend tous ses succès et les tient au courant de tous les événements importants de sa vie. Et reçoit, si s'y prend bien, des récompenses substantielles pour cette attitude courtoise, mais efficace. Ensuite, ainsi que cela continue. L'enfant baptisé, le filleul cité plus haut, a grandi. Il est devenu jeune homme.
Il distingue une jeune fille. Il la voit. On lui montre. Il croit l'aimer. Il souhaite l'épouser, se marier, lui faire des enfants. Mais il ne va pas de but en blanc la demander en mariage. Non. Il s'ouvre de ses intentions à ses parents, ou à leur défaut, ils sont absents. Possible. Ou mort. Envisageable. À leur défaut, donc, à un ami âgé, à son protecteur, à un supérieur, ou encore ses parrains et marraines. Les choses, la vie, les choses s'enchaînent habilement de la manière suivante. La personne qui reçut la confidence du jeune homme, parrain, supérieur, ami. Je ne sais pas, n'importe qui. Le confident se met en rapport avec un ami intime de la famille de la jeune fille afin d'arranger une rencontre décisive entre les deux jeunes gens. Entrevue qui permettra de savoir si les projets peuvent être poursuivis. Mais avant d'entamer l'affaire matrimoniale, car affaire C, ne nous cachons pas la vérité des mots, les intermédiaires sont tenus de prendre des renseignements précis et venus de bonnes sources sur la fortune, la généalogie, l'hérédité des deux familles en cause, car en cause et pas moins. Ce n'est qu'après s'être assuré que la convenance existe sur tous les points qu'on doit risquer une entrevue définitive. Il ne faut pas qu'après s'être rencontrés, s'être plu, les deux jeunes gens voient souffler sur leurs rêves le vent mauvais d'une difficulté imprévue née de la situation de l'un ou de l'autre. C'est au bal le plus souvent, quelquefois au théâtre, que la rencontre recherchée a lieu. Mais il est encore préférable et plus fort habile que des amis communs réunissent les jeunes gens à un dîner intime organisé pour la circonstance et auquel assistent... Oh, cela va sans dire, inutile de le préciser. Les parents de la jeune personne. On imagine mal, je l'espère, la jeune fille partant seule dîner avec l'homme qui la souhaite épouser. Les parents auront la prudence de ne pas instruire leur fille du but de cette réunion. Cette réserve a des avantages. Si on la prévenait de l'espèce d'examen qu'elle va subir, car examen, etc., l'émotion, l'appréhension qu'elle éprouverait lui ferait perdre de sa grâce, de son naturel. Et gagner une gênante rougeur. Elle n'aurait plus assez de sang-froid alors pour juger celui qui se présente à elle avec l'idée de devenir le compagnon de sa vie. Si d'autre part, la jeune fille ne plaît pas, tout compte fait au monsieur. Est possible, envisageable, etc. Et il ne faut pas le lui apprendre, ce serait fâcheux et cruel. Elle serait humiliée, elle perdrait confiance en elle. Cela serait pire la fois suivante. Cris, pleurs, désespoir, prise de voile. Or, s'il est bon qu'une jeune fille n'ait jamais trop haute opinion d'elle-même... Il ne faut pas davantage qu'elle se croie au-dessous de ce qu'elle est. Mais, dira-t-on, elle devine bientôt de quoi il s'agit dans cette réunion intime où elle est la seule fille à marier et où elle rencontre un monsieur qu'elle connaît à peine. Ou même pas du tout. Oh, n'importe. Mieux vaut la laisser dans un doute salutaire. À moins qu'elle ne soit trop forte. Ce que nous ne souhaitons pas aux prétendants. Mais si la jeune fille ne plaît pas, elle ne lui parle de rien, elle reste innocente. Et si c'est le prétendant qui ne convient pas, car hypothèse non négligeable... Il supporte son sort dignement et sans rancune surtout. Il part pour la guerre, il s'inscrit dans la Légion, il épouse la plus sotte et la plus laide de ses cousines pauvres. Il reste stoïque, ce que je veux dire. Mais... lorsque le prétendant a plu d'emblée à la jeune fille. Cela peut arriver. Rare, étrange, mais possible.
possible. Lorsque le prétendant a plu d'emblée ou lorsque l'épreuve s'est terminée à son avantage, il témoigne alors d'un grand empressement et fait porter immédiatement la demande officielle en mariage par son père, un supérieur ou un ami, son parrain. Je ne sais pas, n'importe qui. Officiellement agréé, le prétendant revêt ses habits de cérémonie et fait immédiatement aux parents de la jeune fille une visite, au cours de laquelle on appelle celle-ci. Cette entrevue réclame beaucoup de tact de la part du futur. Il est déjà plus que prétendant. Il remercie avec une certaine chaleur, mais sans exagération. La froideur serait malséante, mais l'expression du bonheur doit être contenue. Alors, pendant la première visite, le temps ne sera pas perdu et on saura quoi se dire. On fixe le jour des fiançailles et on décide d'une date très rapprochée. Car nous avons déjà suffisamment perdu de temps. On convient encore ensemble des invitations pour envoyer à cette fête. On règle toutes ces choses. Car des fiançailles, un mariage, la vie en général, sont une longue suite de choses à régler. On ne saurait l'oublier. Il serait imbécile de se laisser déborder par les futilités accessoires que sont les sentiments. La fête des fiançailles se passe en famille, dans une intimité rigoureuse. Les amis de la veille, ceux qu'on appelle les connaissances, n'y assistent pas. On n'expose pas le bonheur ingénu de la jeune fille, ses joies rougissantes, aux yeux et commentaires. Car commentaires à craindre, on en saurait douter. Aux yeux et commentaires des indifférents et des cyniques. Le fiancé envoie son premier bouquet le jour des fiançailles. Ce bouquet est composé de fleurs blanches, parmi celles que préfère la fiancée dans cette couleur. Elle est ravie de cette coïncidence de bon augure. Il apporte lui-même la bague. Elle a consulté discrètement pour savoir quelle est la pierre favorite de la jeune fille, car il ne doit pas acheter cet anneau au hasard. Il y a des fiancés qui ont peur des perles, car elle s'imagine qu'elle présage des larmes. C'est crétin, et on ne peut commencer dès le jour des fiançailles à le dire. Quelle qu'elle soit, de toute manière, la bague doit être bien accueillie. C'est le moins qu'on puisse espérer. Et la jeune fille s'émerveille et s'exclame. La bague est glissée au doigt de la jeune fille, le quatrième de la main gauche, par le fiancé qui arrivera avant tous les autres invités. Il est autorisé, pour la première fois, à porter à ses lèvres cette main qui vient de recevoir son anneau, symbole d'engagement, qu'on ne peut déjà plus rompre que pour des motifs très graves. C'est une chose qu'il ne faut pas ignorer. Le fiancé vient accompagné de son père, de sa mère, à leur défaut mort. Toujours la même histoire. De son frère aîné, du chef de sa maison, de son parrain, etc. Je ne sais pas, n'importe qui. Au dîner, qui est indispensable, les fiancés sont placés à côté l'un de l'autre. Au milieu de la table, au milieu du plan de la table. Ils sont traités en héros du jour, car ils le sont. Les personnes qui ont négocié le mariage, parce que tout de même bien de négociation et rien d'autre qu'il fût question. Les ambassadeurs, appelons-les ainsi, puisque le mot négociateur choque. Les ambassadeurs du jeune homme sont aux côtés des fiancés. Le menu de ce dîner doit être relativement simple. Les fiançailles sont déclarées solennellement au dessert. C'est une surprise pour l'ensemble des invités. Personne ne s'y attendait.
Et tout le monde pousse là encore une légère exclamation de surprise. Ravi. Oh, si la réception est une soirée dansante, la cérémonie de déclaration a lieu vers minuit. Et les invités, tous les invités, font leurs vœux de bonheur aux fiancés. La jeune fille est habillée d'une robe gaie, car circonstance gaie de l'existence, c'est et doit être. Rose tendre, bleu pervenche, blanche avec des rubans aurore, gaie. Chez les autres femmes, on évitera les notes sombres. Le marié, le fiancé, pardon, et les autres hommes portent le costume du soir, ou l'habit. Dans la soirée qui suit, sans isoler les fiancés, on s'arrange pour qu'ils puissent causer sans être entendus. Mais on agira de même jusqu'au mariage. Mais on ne les laisse jamais seuls. Afin d'éviter les commentaires. Car commentaires, etc. Afin d'éviter les commentaires, regards obliques, sourires narquois, des méchantes gens qui ne sont pas au courant et que les assiduités des fiancés feraient causer, on s'arrange. Si c'est possible. On s'arrange pour que l'époque du mariage ne soit pas trop distante de celle des fiançailles. Ainsi, on gagne du temps et on fait taire la rumeur. De la date des fiançailles à celle du mariage, le bouquet quotidien est de rigueur. Il est exclusivement composé de fleurs blanches. Les présents solides d'une valeur intrinsèque. Entendons par là qui pourrait être monnayé ou revendu par la fiancée elle-même. Et rougissante, toujours. Ou par ses parents. Et tuteurs, si parents morts. Possible. Les présents solides, concrets, les choses et les objets qu'on peut échanger et vendre, les présents solides ne sont autorisés qu'à partir du jour où l'on fait les réglementations d'argent et où l'organisation et la distribution des biens, dotes, futurs héritages et legs ont été mis noir sur blanc. L'envoi de la corbeille et la signature du contrat précèdent de 8 à 10 jours la cérémonie du mariage. La corbeille est envoyée le matin du jour où on signe le contrat. La veille, le matin de la veille. Elle est composée de robes de velours, de satin, en pièces, que la jeune fille devra elle-même reconstituer. De dentelles blanches, noires, pour toutes les éventuelles circonstances de l'existence. Et elles ne sont pas toutes joyeuses, loin s'en faut. Vaut mieux le savoir dès maintenant. De bijoux modernes, de joyaux de famille, d'un manteau de loutre et de bandes de lophophore. Le lophophore. Le lophophore est un genre de gallinacée des montagnes de l'Inde au riche plumage très recherché. C'est également une originale parure pour les robes et les vêtements, dont la solidité autant que la surprenante beauté explique la faveur. À ce fond de garde-robe, car on entend bien qu'il ne s'agit que d'un fond. Ah, tout au fond, hein. On y ajoute une aumônière gonflée d'or, des pièces neuves, un ou plusieurs éventails et un livre d'œuvres copié sur un chef-d'œuvre du Moyen Âge. Mais il va sans dire que le contenu de la corbeille peut être infiniment plus modeste. Tout dépend des ressources du fiancé. On voit qu'il ne faut pas imposer ce titre de fiancé. Pour les mêmes raisons, un homme dont la position est médiocre, il en est, ne s'offrira pas comme futur mari.
Enfin, les parents n'oseraient peut-être pas refuser, tout en craignant de voir ces obligations trop peu grandement remplies à leur gré. Je crois même pouvoir dire ici, d'une manière générale, qu'il est préférable qu'un homme dont la position est médiocre ne se propose pas comme quoi que ce soit. Parrain, fiancé, père de famille, etc. C'est mieux. Tous les objets sont contenus dans une grande corbeille de forme carrée, doublée de satin blanc. Un gros bouquet de roses blanches ou un nœud de satin blanc s'attache sur le couvercle. C'est très beau. Le contrat se signe souvent chez le notaire. Mais quand le notaire se rend chez les parents de la fiancée, toutes les personnes intéressées s'y assemblent. Dans l'un comme dans l'autre cas, les clauses du contrat doivent avoir été bien débattues par avance entre les deux familles. Hors de la présence des fiancés, cela va sans dire. Afin d'éviter toute discussion âpre et violente entre les deux parties. Le contrat des notaires se signe chez le père et la mère de la fiancée. Le notaire, hop, donne la lecture du contrat. Tout le monde est très surpris. On dit... Oh, alors, le futur... Le futur mari... Le fiancé... Le jeune homme... Le futur se lève, salue sa fiancée, signe l'acte et lui passe sa plume. La soirée de signature n'a déjà plus cet aspect intime de la fête des fiançailles. Toutefois, on n'y invite pas de connaissances banales. Pour résoudre ce douloureux problème, qui semble vouloir se reposer régulièrement, j'ose insinuer que peut-être la solution serait de n'avoir jamais de connaissances banales. Au moment de la signature... Si le notaire demande à la fiancée... Hé, comme c'est son droit, et pourquoi se gênerait-il? La permission de lui baiser la main. Elle la lui accordera après avoir rapidement consulté du regard sa mère et son fiancé. Tous deux font des yeux un signe d'acquiescement, comme ça. En réclamant le consentement du fiancé, il y a là comme une reconnaissance anticipée de ses droits. Quelque chose de touchant. Et qui donne une vue bien nette des devoirs de la vie conjugale. Mais, dira-t-on, la fiancée ne dépend encore que de ses parents. Pas tout à fait. Elle porte au doigt un anneau qui l'engage déjà. Et elle a reçu, est-il besoin de le rappeler, des présents solides qui lui créent des obligations. Toujours ainsi que cela continue. Le mariage civil précède le mariage religieux. Mais on ne se marie pas à l'église. Depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'au jour de l'Épiphanie. Ni depuis le mercredi décembre jusqu'après l'octave de Pâques. Ce sont des choses essentielles qu'on doit savoir. Et ne pas oublier. Évidemment, on peut obtenir avec relation, chèque, minauderie, des dispenses efficaces pour célébrer le mariage dans ces intervalles. Il suffira d'en faire la demande. On peut toujours renoncer à tout, choix et rien d'autre. Inutile de donner ici la façon dont se célèbre le mariage civil. La loi seule est en cause, n'y suis pour rien, n'y serai jamais pour rien. Ça n'est pas difficile, c'est très rapide. Les mariés n'ont qu'à répondre, oui, intelligible, la question sacramentaire. Prenez-vous pour époux, prenez-vous pour épouse. Oui. C'est tout. Réglé. La mariée signe la première le contrat et passe la plume au marié.
qui la salue et lui dit... D'un air heureux, obligatoire. Avec un grand sourire. C'est le moins qu'il puisse faire. Merci, madame. Il est le premier à lui donner ce titre. C'est très amusant. Le mariage religieux. Le mariage religieux se célèbre le matin en général. Il y a plus de pompe en cette partie de journée à cause de la messe. Tout le monde est beaucoup plus en forme, on vient de se lever, on a bonne mine. Le père et la mère de la mariée reçoivent leurs invités au salon. Le marié, quant à lui, a précédé tout le monde en compagnie de ses parents. Ils sont arrivés aux aurores. La jeune épousée, elle, ne paraît qu'au dernier moment. Elle descend l'escalier, portant à la main le dernier bouquet blanc que lui adressa celui qui est déjà son mari de par la loi civile. Elle est pleine de sa fraîcheur matinale. Elle est habillée avec une simplicité relative. Les diamants sont de trop et nous exclurions même les riches et lourdes dentelles. La toilette doit être virginale et non fastueuse. Au plus, ajouterions-nous un fil de perles au cou de notre fille. Le marié porte l'habit ou son grand uniforme s'il appartient à l'armée. Quand tout le monde est arrivé, et c'est le cas d'être exact, on monte en voiture pour se rendre à l'église. La mariée occupe la première voiture, elle a son père et sa mère avec elle. Dans la seconde voiture, le marié et ses parents. Jamais rien de compliqué. Les témoins prennent place dans les troisième et quatrième voitures avec des parentes des mariés. On doit autant que possible. Et ce jour-là, au moins, on peut faire un effort. On doit associer une personne de la famille ou des amis de la mariée à une personne de la famille ou des amis du marié. Tout cela se combine d'avance. Car combine et rien d'autre. Mais là encore, il y a une règle à respecter. Les jeunes filles, même à deux, ne montent pas dans une voiture où elles seraient seules avec des hommes qui n'appartiendraient pas à leur proche parenté. Arrivé sous le porche, le cortège se forme. C'est facile. La mariée a pris le bras gauche de son père et toutes les dames doivent prendre le bras gauche de leur cavalier. Si le père de la mariée est militaire, elle s'appuie sur son bras droit et toutes les femmes suivent son exemple. Bras droit pour tout le monde. À l'entrée de la mariée, tous les invités à la messe se lèvent. La mariée s'avance sans porter les yeux autour d'elle. Elle marche droit vers ce qui l'attend. Bien peu d'épousées restent naturelles sous tous les regards fixés sur elles. Certaines mariées ont le don d'agacer ou d'amuser les assistants. Un peu de trouble est nécessaire, mais il n'est pas obligatoire que la mariée prenne l'air. Comme l'a dit le poète Victor Hugo. De la victime couronnée de fleurs qu'on conduit à l'autel. Mieux vaudrait s'avancer délibérément. Ce serait moins sot. Qu'elle soit émue, cela se conçoit. Heureuse et un peu effrayée, on l'espère. Mais si elle est bien élevée, si elle possède une dose suffisante de tact... En un mot, si elle n'est pas trop gourde. Elle évitera aussi bien les airs penchés que les airs assurés. Elle ne donnera pas plus dans la pruderie outrée que dans l'aplomb excessif. Le père de la mariée la conduit à sa place. Le marié vient s'agenouiller auprès d'elle. C'est plus simple encore pour lui. On a convenu au moins 8 jours à l'avance, avec le prêtre qui la bénira, de l'heure, des détails et du prix de la cérémonie. Inévitable. Car prix à payer, il n'y a pas d'autre mot. On n'en discute plus à cet instant précis. Les anneaux ont été présentés à un sacristain qui les propose habilement sur un plateau au moment où ils sont échangés. La date du mariage est gravée à l'intérieur de chaque anneau.
Avec le prénom de la femme dans celui du mari. Et le prénom du mari dans celui de la femme. Ce n'est pas très difficile à suivre. Extrêmement simple à retenir. Les mariés écoutent assis l'allocution que le prêtre leur adresse. Mais bien évidemment, ils s'approchent des époux pour les unir. Le marié et la mariée se lèvent alors et l'époux prend dans sa main droite la main droite de l'épouse. Ce qui oblige la jeune fille à se contorsionner un peu. Mais cela ne durera qu'un court moment. Aux questions que l'on sait, prenez-vous pour femme, etc., ils répondent... Oui. Oui. Ils ne désunissent pas leurs mains pour s'agenouiller sous la bénédiction du prêtre et l'aspersion. Car, aspersion. Si on a bien voulu s'entraîner chez soi, s'agenouiller à deux en se tenant main droite dans main droite sous aspersion d'eau n'est pas si difficile. On ne se marie qu'une fois et tout n'est jamais que question de volonté. La célébration terminée, on passe à la sacristie pour signer l'acte de registre des mariages et recevoir les félicitations des invités. La mariée sort de l'église au bras de son mari. Son père offre son bras à la mère du marié. Le père du marié offre son bras à la mère de la mariée. Tout le monde peut suivre. Il suffit de comprendre le principe. On fait des échanges d'une famille à l'autre et ensuite on décline. Ce n'est pas compliqué. Les mariés remontent seuls en voiture, c'est le plus souvent un coupé, et on rentre à la maison pour manger. Toujours ainsi que cela continue. Il faut fêter la fête des épousailles avec autant de magnificence que le permet la position de fortune. Chaque invité est revêtu de ses plus brillants atours et tenu d'y apporter un visage heureux. C'est le moins qu'il puisse apporter. Nous voudrions des danses aux noces, mais l'usage se perd. Nous aimons les mariages célébrés à la campagne. Si l'on donne un grand dîner, la mariée prend place à table entre son père et son beau-père. Elle est à la droite de son père. Le marié est en face d'elle, entre sa mère et sa belle-mère. Ils sont traités en héros du jour, car ils le sont. Le bal est ouvert par la mariée, avec l'invité auquel on désire témoigner le plus de déférence. Le second quadrille, ou la seconde valse, appartient au mari, hein, le mari de la mariée. Le marié. Après, elle envoie inviter de sa part les danseurs qu'elle veut pour partenaires dans les quadrilles qui suivent. Pour les valses, et d'une manière plus large, pour toutes les danses qui encouragent le rapprochement physique, elle se réserve pour son mari ou les hommes de sa parenté. Malgré quelques tentatives pour faire renaître l'usage, on ne chante plus au dessert. Et on ne se met plus immédiatement en route pour le voyage de noces comme on le faisait il y a quelques années. On aura bien le temps de se dévorer les poux dans la tête. On peut bien attendre un jour ou deux. Arriver que le premier conjoint disparaisse. Possible. S'enfuit ou meurt. Envisageable. Déciderait-on de se remarier? Il est de bon goût de le faire, sans éclat et sans bruit. La cérémonie civile ne réunira que les mariés, leurs pères et mères respectifs. S'ils sont encore là pour voir un tel spectacle. Et les témoins. Pour le mariage à l'église, on s'entoure, comme aux premières noces, de ses proches et de ses amis intimes. Mais la cérémonie est plus simple. Il n'y a pas de décoration florale, pas de chant, pas de faste, sobre et austère.
La veuve qui se remarie ne portera ni de gris, ni de mauve, ce qui aurait l'air de demi-deuil et serait peu aimable pour son second mari. Elle évitera le rose, couleur trop gaie, qui serait déplacée. Elle coiffera ses cheveux d'une mantille de dentelle blanche ou noire, dans laquelle elle piquera quelques fleurs. Elle évitera les chrysanthèmes et les scabieuses, qui sont dénommées fleurs de veuve, hein, les de l'humour ou de la piété, qui sont souvent mal compris. La veuve garde la première bague d'alliance. Son premier mariage est un fait que rien ne peut effacer. Son second mari ne saurait trouver mauvais qu'elle conserve le signe de ses premiers liens. Et si elle a des enfants, elle leur doit cette marque de respect à la mémoire de leur père. Elle porte donc deux anneaux si elle s'est mariée deux fois, et ainsi de suite, autant d'anneaux que... Un déjeuner ou un dîner suit la cérémonie religieuse. Mais il n'y a pas de bal pour le second noce, ni bal ni sauterie. Qu'une demoiselle d'un certain âge souhaite enfin convoler, ce sont absolument les mêmes cérémonies que pour le mariage d'une jeune fille. Enfin, le bon goût peut les diminuer de quelques détails, mais c'est tout. Ainsi, les demoiselles d'honneur seront en nombre restreint. Même si la mariée est très âgée, il n'y en aura pas du tout. Une demoiselle de 35 ans ne s'enveloppera pas d'un long voile. Elle se coiffera d'une mantille de dentelle blanche qui lui garnira aussi les épaules. Cette mantille sera attachée par des brins de fleurs d'oranger et des roses blanches. Robe blanche également. À 45 ans, elle choisira une robe gris-argent et portera un petit chapeau de dentelle avec d'imperceptibles brins de fleurs d'oranger mêlés à des marguerites reines lilas ou rosées. Une soirée dansante convient mieux en ces circonstances délicates. Les noces d'argent après 25 années d'heureuse union. L'union n'aurait-elle pas été heureuse? Si elle dure 25 années, on la célèbre tout de même. On célèbre les noces d'argent après 25 années d'union. D'une manière plus générale. Et pour résumer, en quelques circonstances que ce soit, si 25 années sont passées, on célèbre. Les noces d'argent sont une grande et belle fête de famille, à laquelle on conduit aussi les amis, mais dont on élimine les simples connaissances, car il faut lui conserver un caractère d'intimité. C'est encore une haute et touchante leçon d'amour conjugal donnée à ses enfants que de leur montrer leur père et leur mère si tendrement, si sérieusement, si profondément attachés l'un à l'autre après 25 années de vie commune. Car 25 années et pas moins. Après 25 années où l'on a partagé, comme l'a dit le poète Victor Hugo, les mêmes joies, mais aussi les mêmes douleurs. Où l'on a échangé de mutuelles concessions et des sacrifices réciproques. Est-il rien de plus beau, de plus pur que cette affection qui a résisté au temps et au malheur, parfois? Parce que malheur, hein, il ne faut pas rêver. Est-il rien qui témoigne mieux de la noblesse d'âme du père, de la tendresse du cœur de la mère? Ou l'inverse? Célébrons donc les noces d'argent, c'est un spectacle réconfortant. La mariée est encore belle. Souvent, on la prend pour la sœur aînée de ses filles. Elle ornera ses cheveux de marguerites reines toutes blanches
sur lesquels elle jettera une mantille de dentelle blanche aussi pour assister à la messe de bénédiction. La robe sera blanche également. Nous insistons souvent à dessein sur la couleur blanche. Mais c'est parce que c'est la couleur de la foi, de la pureté, de la fidélité, de la vie, de la joie et d'un tas d'autres choses qui m'échappent à l'instant, mais que la couleur blanche représente bien également. Le cortège sort de l'église. C'est à la maison que toute la parenté, tous les amis félicitent et embrassent les mariés. Ils sont traités comme les héros du jour, car ils le sont. Il y a exhibition des présents reçus. Un lunch servi en attendant le dîner. C'est un véritable festin. Un bal termine cette fête délicieuse. Le père l'ouvre avec sa fille aînée ou la femme de son fils, la mère avec son fils aîné ou le mari de sa fille. Toujours le même système, en s'accommodant des survivants. Restez seuls, les époux savourent les joies de cette journée, les souvenirs de leurs jeunes années et la satisfaction du devoir accompli. Ils regardent leur album. Sur la route poudreuse, ils ont marché ton frère et franchi les ravins. Et gravit les hauteurs. Il fournissait la taffe, il traversait le rave. Oh, les fortes amours! Victor Hugo! Oui. On célèbre les noces d'or après 50 années de réunion. N'aurait-elle pas été heureuse? 50 années, on célèbre tout de même. Le temps a couronné les époux. Que nous avons vus une première fois, rayonnant de jeunesse et de bonheur. Et puis, une autre fois, plein de maturité, de force, entouré d'amour, de respect, d'estime, ayant lutté, ayant souffert, car lutte et souffrance, mais heureux, car ils s'aiment comme au premier jour. Mieux peut-être. Bien des douleurs les ont visités. Leurs enfants sont partis pour fonder à leur tour d'heureuses familles. D'autres sont morts déjà. Logique. Probable. Ils sont seuls, comme au commencement de leur vie à deux, et se serrent l'un contre l'autre pour se tenir lieu de tout. Leurs fils, leurs filles, ceux qui ne les ont pas devancés là-haut, accourent autour d'eux avec les enfants de leurs enfants. Trois générations au moins les entourent. La fête est la même que celle des noces d'argent, mais avec une intimité plus grande pour ménager les héros du jour. Car ils le sont. Dont la vie est devenue fragile. On prend garde à ne pas transformer ce jour de fête en jour de deuil. Chacun leur a apporté son présent. Jusqu'à l'arrière-petit-fils de moi qui tient une fleur pour eux entre ses petits doigts inconscients. Le grand repas est suivi d'un ballon d'une sauterie. Les deux aïeuls l'ouvrent avec deux de leurs petits-enfants. S'ils le peuvent. S'ils ne peuvent pas, ils regardent, c'est bien. La fête ne se prolonge jamais au-delà de minuit. Alors, laissez à eux-mêmes, abandonnés. Car abandon, il ne faut pas se raconter d'histoire. Les vieux époux tombent dans les bras l'un de l'autre et se promettent que s'ils recommençaient la vie, ils se choisiraient encore. Des choses comme cela qu'on dit et qu'on croit. Ensuite, à peu près ainsi que cela se termine. Thank you.
perdre l'un des siens. On a pu le deviner déjà. C'est logique, possible et envisageable. La coutume, l'étiquette qui n'abdique leurs droits à aucun moment de l'existence, là encore, entendent régler la façon dont nous devons porter et manifester notre douleur. Quand la mort entre dans une maison, les plus forts, les moins fragiles, les parents, les amis... Je ne sais pas, n'importe qui. Les autres, les survivants, rétablissent autour du disparu. Disparu et rien d'autre. Les autres rétablissent le calme et l'ordre. On ferme les volets, les persiennes et les portes. On allume des bougies. On éloigne les jeunes enfants. Les jeunes enfants, c'est la vie et de la vie ne doit pas être question. On marche doucement. On parle bas. Baisse la radio. Le corps est gardé jusqu'à ce qu'on le mette dans le cercueil. On lui fait subir une toilette et on pare le cadavre de ses plus beaux habits. Ceux de son mariage, par exemple. Oh, c'est une belle idée. On va à la mairie de la ville, de l'arrondissement, de la commune, faire la déclaration de décès. La municipalité envoie alors un médecin au domicile du défunt. Il constate le décès et détermine la maladie qui causa la mort. Car ce ne peut être que maladie, hein, et pas autre chose. Si c'est autre chose, police et pas de barguignage. Lorsque la mort est authentifiée et admise, on s'entend avec l'Église et les pompes funèbres pour le service, convoi et enterrement. La chambre est transformée en chapelle ardente. C'est très beau. Plus rarement, on descend le cercueil ouvert par l'escalier central vers le salon d'apparat. Le mort est traité en héros du jour, car il l'est. Le jour de l'enterrement, le cercueil est exposé sous la porte de la maison. On le couvre de fleurs. Les grands poètes, Victor Hugo, les grands tribuns, en obtiennent des charretées entières. Les invités arrivent, car invités et pas moins, on se serre la main, on n'entame pas de conversation, on a l'air triste. On fait un effort. On est habillé en deuil. On est propre et soigné. Alors, le corbillard s'ébranle. Oui, les corbillards s'ébranlent toujours. Ce sont des mots qui vont très bien ensemble. Les hommes marchent tête nue derrière. Les femmes sont dans les voitures. Les jeunes filles... S'il en reste après toutes ces années. Les jeunes filles sont séparées des jeunes gens. Le deuil est une marque extérieure de la douleur. Il a des règles et il faut les suivre. Autrefois, il était très long. On portait le deuil du père jusqu'à la mort de l'aîné de la famille. Et ainsi de suite. C'était long. Mais, la duchesse de Berry, fille du régent, une dame du temps passé, fit diminuer de moitié la durée des deuils. Lorsqu'on pensait que le fils aîné de la famille était à la moitié de son espérance de vie, on renonçait au deuil du père. C'était moins long. Le deuil de veuve dure 2 ans, et le grand deuil, très austère, toute une année. Robe de laine unie, châle en pointe, voile sur le visage, les bas noirs de fil ou de laine, les gants corbeaux, pareil, ni fantaisie, ni fioriture, et pas de rouge aux lèvres. Pendant les 6 premiers mois de la seconde période, voile et lainage plus légers, gants de peau ou de soie, on sent la coquetterie revenir, bijoux de jet, noir de jet. Les 6 derniers mois,
des dentelles. Noires, mais des dentelles tout de même. Pendant les trois derniers mois, peu à peu, on en voit à la fin des étoffes, des broderies noires et blanches, et puis jusqu'à complète expiration du gris, de la couleur prune, lilas, rosé. On prend garde à la gradation des nuances. Le deuil de père, de mère, de frère ou de sœur se porte de la même façon et avec les mêmes gradations, mais sur des durées moins longues encore. Alors, l'on peut aussi prendre le deuil d'un ami. Si on en a. Mais ce sont des deuils dits de courtoisie. Rien ne nous y oblige. On s'abstient de tout plaisir, de toute distraction. On reste chez soi. On ne rit pas à gorge déployée. Mais, et toujours ainsi que cela continue et recommence, mais, vers le début de la seconde période, on se permet des conférences sérieuses, des expositions, on fait des visites, on reçoit le mardi. 2 mois avant la fin, on rétablit le 5 o'clock tea. On donne un dîner, on assiste au concert. On sifflote dans son bain. Le deuil terminé, on réapparaît dans les sauteries. Car sauterie et rien d'autre. Oh, on ne danse pas encore, hein, regarde, hein, mais le pied sous la table marque déjà la mesure. On va au théâtre français ou à l'opéra. On danse la gigue, on va aux variétés. Ah, ça ne sont plus que mauvais souvenirs, tout ça. Car souvenir et rien d'autre. On songe à se marier, on ferait bien un enfant, on le déclarerait à la mairie de l'arrondissement. Ainsi que cela n'en finit jamais de se passer.